Yo les gars, c'est Normandie Détection. Donc aujourd'hui on est en détection. Donc on est avec Dylan qui est en train de pomper pour, les gars. Pour mettre le détecteur correctement. Alors, tu l'as réglé, c'est bon? 82, ouais. Donc là on est dans un petit endroit bien sympathique. Donc je vous le laisse le découvrir sur la vidéo. Donc j'espère qu'on va trouver des choses intéressantes. Allez, c'est parti. Bon alors Diane, c'est par là ou c'est par là? Je sais pas. Vas-y. T'as dit là, il m'emmène à un endroit, il sait pas où que c'est. Donc là on est paumé, on attend, voilà. On attend. Alors on va commencer à côté d'une table de camping. Un petit indice qui nous plaît bien. Allez, on creuse et on se retrouve pour la trouvaille. Alors, on ouvre la vidéo avec quoi, Dylan? Je sais pas où. Bah, rien d'exceptionnel. Une cosse ou quelque chose comme ça. Un trick. De quoi? Ah. Non, c'est pas ça qui a bipé. C'est bizarre. Donc ouais, c'est de l'aluminium, c'est une genre de cosse ou je ne sais quoi. Allez, on continue. Alors, un indice entre 18 et 21. Allez, on va creuser pour voir ce que c'est. Vas-y, Dylan. Ça n'a pas l'air d'être très profond, les trouvailles ici. On va vraiment vous montrer des trucs intéressants. Hein. Parce qu'on a déjà chopé autre chose, des petits morceaux d'alu, mais on va pas vous montrer tout ça. Oh, comme par hasard. Alors. Je sais pas trop ce que c'est. Il va d'avoir un trou ici, et là ça a l'air d'être. Oh, il y a une espèce d'axe en fait qui était là, qui est cassé, on dirait. Eh, hey, regarde. C'est creux. Ah. Une petite bouille, il y a tout écrit dessus. Non. Attends, on va voir la... Ah oui, il y a quelque chose écrit dessus. Ah, c'est. C'est une plaque de vélo, Dylan, je crois. C'est un morceau de plaque de vélo, disons. Ouais, on a retrouvé un morceau de plaque de vélo, je pense. Il y a des trucs décrits dessus. On va essayer de voir parce que ça bip un peu partout. On a vraiment pas bougé beaucoup d'endroits. On est resté vraiment là, dans 5 mètres carrés. Allez, on continue. Alors ici, on a des amateurs de Cronenbourg. Allez, on continue. On va essayer de trouver des trucs intéressants. C'est l'arrière d'une petite cuillère. Ouais. Ça va, c'est détecte. Alors... On en a déjà une à la maison. C'est une PAC pour numéroter les bêtes. C'est marqué 3872 dessus. On aperçoit un peu. Allez, on continue. Ça doit être une cuillère. Le bout d'une cuillère. Ça, c'est creux quand même. Ça bip de partout, mais on n'a pas de truc extraordinaire pour l'instant. On y a cru. Il a cru que c'était une pièce, mais non. Eh ouais, j'ai cru que c'était un ancien franc, mais non, c'est rien à voir. C'est une rondelle, mais en aluminium. Alors, vous la voyez? Une monnaie. Mais... On va se mettre à la lumière. Ouais, je pense qu'il va falloir la nettoyer. Parce que là... Ah si, je vois des trucs écrits dessus. €2 Dylan. Ouais, je pense que c'est 2 centimes. C'est 2 centimes d'euros. Ah, je suis dégoûté. Pourtant, elle est super épaisse. Elle est plus épaisse qu'une 2 centimes d'euros. Ah, c'est assez bizarre. Hein. Bon, je la nettoierai, mais... Ouais, elle est gonflée. Elle est gonflée, c'est vraiment bizarre. Je la nettoierai, puis je vous montrerai en photo. On continue. Alors Dylan, normalement, a trouvé quelque chose d'intéressant. Attends, fais la voir. Ah, c'est une médaille, je la vois. Une médaille religieuse. Elle est pas solide. Hein. Ah ouais, une belle petite... Ah, tu crois que c'est une médaille... Ah ouais. Attendez, on va vous la montrer. Ah, elle sort bien. Je crois qu'elle est en argent. Ah, attendez. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est une belle petite médaille. Pareil, je vous la mettrai en photo. Juste après, une fois nettoyée. Ça fait plaisir, on a déjà trouvé quelque chose d'intéressant là. Allez, on continue. Yann est encore en train de creuser un trou.
Alors, on a Didic qui nous appelle. Regardez les gars, c'est Audric ouais. qui nous appelle là en ce moment. Ouais. C'est que t'as trouvé quelque chose de ton côté, toi. Oh, ça coupe. Bon bah Audric, il était en train de m'appeler, il est en train de faire de la pêche à l'aimant de son côté. Il était en train de m'appeler parce qu'il est en train de pêcher les fesses assis dans l'eau en fait, et il lance son aimant comme ça. Une drôle de façon. Donc on en était là, ouais, donc je vous montrais le petit lieu là avec la croix et puis le petit lieu avec... Ah, Diana a bon son. On va aller le voir. Donc on a vraiment détecté tout ce qui est au-dessus là-bas, il n'y a vraiment rien du tout, c'est propre de chez propre. Et là on va continuer un peu plus loin. D'accord, il y a des espèces de... Ça a l'air d'être assez ancien ici quand même. Ça serait bien de trouver un petit coffre là. Allez, Henken. On continue. C'est bien beau de trouver des capsules. Mais vous pouvez pas plutôt semer des bouteilles entières? Ah, il fait chaud là, on a soif. On trouverait des bières entières, ça serait quand même plus correct quand même. J'espère que ça en vaut le coup, Dylan. Ouais. Il y a un sacré trou là. Déjà à 30 cm de profondeur. Et c'est encore un peu plus profond. Bah là, je le sens même pas, c'est profond. Bah ouais, c'est assez profond quand même. Incroyable. Alors pourquoi on a creusé si profond? En fait, je sais pas. C'est bien ça au moins. Ah, c'est bon. Putain, il était quand même à 35 cm. Hein. C'est quoi ça? C'est un bout de plomb? C'est une blague? Ah, il y a une espèce de forme, non? Ouais. Ah, ouais, il y a une espèce de forme. Alors, ça a l'air d'être du plomb. Donc, pareil, on vous montrera une fois nettoyé. Là, c'est parti. Ouais. Le même truc que l'autre jour. Tu vois? Ah, ouais. Ça sort quoi? Ah, je sais pas du tout. Le même truc qu'il y a quelque chose dessus, mais on voit pas trop. On essaiera de le nettoyer pareil pour vous montrer ça. On a deux personnes qui sont venues nous voir en moto à de ce beau temps en même temps. Donc voilà, donc on a trouvé quelques petits trucs. Il n'y a pas de ferreux, hein. Il n'y a que du plomb, du cuivre, voire de l'aluminium, des capsules. Mais voilà quoi, là il y a vraiment. On n'a vraiment pas creusé pour du ferreux quoi. Donc voilà. Donc je vous invite à rester pour voir les petites photos hein, qui vont arriver juste derrière. Donc il y a quelques petits trucs que si jamais vous savez ce que c'est, bah, vous me laissez un petit commentaire sur la vidéo. Donc voilà. Et surtout vous n'oubliez pas notre petit partenaire DMD Pro, Monsieur Détecteur. Et maintenant pour faire les t-shirts, il y a Créa T-shirt à Alençon. Donc voilà. Salut. Donc à la prochaine Dylan. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao.